Bienvenue sur Modéa Podcast. Un nouvel épisode est disponible dès 7h pour vous inspirer dès le matin et booster votre journée. Énergie, entrepreneuriat, épanouissement, trois mots et un podcast. Ici, vous retrouverez des conversations enrichissantes, des expériences de vie, des remises en question. Si vous voulez nourrir votre âme de belles énergies sur ces sujets passionnants, vous êtes au bon endroit. Modéa, c'est le moteur original d'entrepreneurs apaisés, aventuriers, en tous les cas audacieux. Nous sommes nombreux à rechercher l'abondance, le bonheur dans notre quotidien professionnel et personnel. Pour y arriver, j'ai créé le programme Lifestyle Booster, qui regroupe les meilleurs outils du coaching de psychologie positive, neurosciences et énergétique. Je suis Anne-Sophie Moussard, gérante de plusieurs sociétés, formatrice certifiée en bilan de compétences, médium, fan de pleine conscience, amoureuse de la vie et bien d'autres choses. Si vous voulez faire de votre conscience un puissant moteur d'épanouissement en seulement 15 semaines, contactez-moi sans plus attendre. Pour que vous aussi, vous puissiez concrétiser vos rêves dans les prochaines semaines et pourquoi pas les partager ici. Justement, sur ce podcast, vous allez vous connecter à des personnes qui ont les mêmes centres d'intérêt que vous et vous allez pouvoir vous inspirer de leurs expériences partagées au travers de nos discussions. Vous découvrirez leur parcours, leurs conseils, leurs points de vue sur l'énergie, l'entrepreneuriat et l'épanouissement. Commençons dès à présent notre épisode du jour. Coucou Céline, comment ça va ? Bah ça va super bien, et toi ? Bah bien, bien. Est-ce que tu peux nous dire déjà quel est ton métier actuellement ? Alors, actuellement je suis créatrice de contenu sur les réseaux sociaux, sur différentes plateformes comme TikTok, Insta et YouTube. Et à côté, j'enseigne aussi le marketing digital. Ok, super. Et avant de parler de ton quotidien de vie d'entrepreneuse, est-ce que tu peux nous dire un peu quel est ton parcours, quelles sont tes études et puis si tes études, elles ont impacté en fait ta vie d'entrepreneuse? Oui, j'ai fait, ça fait longtemps, j'ai fait une licence en commerce international que j'ai fait en alternance. Et là, j'ai vraiment découvert le marketing, j'ai adoré, et les langues et tout ce qui est autour vraiment du marketing, un peu du marketing digital à ce moment-là, mais c'était pas encore aussi commun que maintenant. Ensuite, justement, comme je savais pas exactement ce que je voulais faire plus tard, j'ai fait un master 1 en contrôle de gestion pour vraiment avoir toute cette notion de gestion, savoir comment gérer mon entreprise plus tard, etc. Et après, j'ai fait une école de commerce, l'EM à Strasbourg, où j'ai fait un master 2 en marketing et gestion d'événements. Ok, et qu'est-ce que tu trouves que ça t'a apporté ? Est-ce que tu trouves que ça t'a apporté quelque chose dans la vie d'entrepreneuse que t'as actuellement ? Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont apporté, d'autres pas ? Bah, déjà mon M1 en gestion, ça m'a beaucoup aidé pour maintenant en tant qu'entrepreneur. Je comprends bien mieux tout ce qui est aspect financier, déclaration, ce genre de choses. Je pense que j'aurais été vraiment larguée si j'avais pas eu ça. Je pense que c'est important. Je suis contente de l'avoir fait parce que bon, c'était pas simple, mais vraiment je suis contente d'avoir cette notion et surtout aussi cette notion de marketing, parce qu'en création de contenu, le produit, bah, c'est nous. Donc faut savoir se vendre, faut savoir utiliser des codes propres savoir parler à son public, savoir se faire une charte graphique, une ligne éditoriale, ce genre de choses. Je pense que sans études, c'est moins intuitif et peut-être moins carré sur certaines choses, ouais. Et aussi, bah, ça m'a permis d'enseigner après, parce que justement, le marketing digital, je vois que ça change énormément, surtout sur les réseaux sociaux, c'est très rapide. Donc, je trouve que quelqu'un qui travaille sur les réseaux sociaux, qui à côté enseigne sur ce genre d'aspect, bah, c'est plus intéressant parce que c'est vraiment actuel. Mmh, hyper intéressant. Je suppose que tu as eu des jobs ou pas du tout. Est-ce que tu as eu des emplois, peut-être des jobs étudiants ? Est-ce que tu as eu des emplois entre le moment où tu as fini ta vie étudiante et là où tu t'es mis à ton compte ? Est-ce que ces jobs ou ces emplois ont alimenté ta réflexion entrepreneuriale ? Oui, alors déjà j'ai commencé l'alternance quand j'étais en BTS. Donc en BTS, là c'était totalement un autre monde, j'étais en hôtellerie. J'ai fait un BTS hôtellerie, mais plutôt du côté marketing et
je sais plus comment ça s'appelait, ça a changé de nom depuis. Mais en tout cas, c'est vraiment l'aspect marketing dans l'hôtellerie. Mais après, en licence, j'étais dans une grande entreprise où j'étais en marketing. J'ai commencé par assistante marketing et ensuite, en master 1, j'ai continué dans la même entreprise. Je suis devenue responsable marketing des enseignes qu'il y avait dans la boîte. Et en master 2, j'ai continué avec eux aussi. Où vraiment, j'avais une marque que je gérais toute seule. C'est très enrichissant. Ça m'a aidée à à savoir me gérer toute seule, à être indépendante, me faire fixer des objectifs. Et ensuite, après ça, il y a eu le Covid. Donc pendant le Covid, j'ai été contactée par France 3 Alsace, par un des chroniqueurs, où là, on faisait des petites chroniques sur Facebook, justement parce que la télé était réquisitionnée pour les infos. Et après ça, je suis retournée dans le monde du travail, on va dire, où j'étais community manager pour une entreprise qui faisait du community management. Et là, j'ai eu une très mauvaise expérience où, c'est-à-dire que mon patron était directement à mon contact. Il n'y avait pas de plus N plus 1, ce genre de choses. Donc là, c'était plus compliqué. J'avais plus mon indépendance comme quand j'étais dans une grosse entreprise. Et c'est là vraiment que je me suis dit, j'ai envie d'être à mon compte et que mon entreprise me ressemble, que c'est moi qui me décide quand est-ce que je me lève, ce que je fais, à quel moment. Et pas avoir cette pression de quelqu'un d'autre qui va me dire quoi faire, si c'est bien ou pas. Alors que je pense que tout le monde sait quoi faire, on n'a pas besoin de quelqu'un pour nous dire si c'est mal ou bien quoi. Oui, il peut y avoir des feedbacks qui sont intéressants, mais après c'est vrai que peut-être c'est aussi façon de faire des feedbacks. Je sais vraiment que c'est cette expérience-là qui m'a poussée à l'auto-entrepreneuriat parce que je gérais les deux d'abord. J'étais en entreprise et j'avais mon auto-entreprise. C'était assez dur à gérer les deux ensemble. Et je me suis dit, quitte à ce que ça se passe mal en entreprise, autant être ma propre patronne à 100%, quoi. D'accord. Donc justement, ma prochaine question, c'était quel a été le déclic pour te mettre à ton compte. Donc en fait, toi, t'avais déjà un peu commencé à être à ton compte et il y a eu ce déclic en entreprise qui a déjà, qu'est-ce qui t'a motivé à la base à créer ton auto-entreprise? Et après, est-ce qu'il y a eu d'autres choses qui t'ont donné ce déclic de se dire maintenant c'est 100% moi? Déjà, quand j'ai commencé les réseaux sociaux, c'était pas du tout pour gagner de l'argent ou quoi, c'était juste pour m'amuser. Et puis quand ça a commencé à être rémunéré, j'étais obligée de faire mon auto-entreprise pour déclarer mes revenus. Et j'ai trouvé ça très intéressant justement d'utiliser le marketing, ça m'amusait beaucoup, pour faire monter mes réseaux. Et du coup, ça a monté assez rapidement en termes de contrats, de choses à faire pour les vidéos, des événements, des rendez-vous. Oui, des partenariats et tout ça. Oui, voilà, c'est ça. Et du coup, je me suis... Au début, on n'a pas trop confiance. On se dit, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Et puis, au final, quand on voit qu'on arrive, que ça fonctionne et que, de toute façon, de commencer en auto-entrepreneur, c'est assez light comme paperasse, ce genre de choses. Ça m'a vraiment poussée à vouloir prendre mon indépendance. Oui, justement, j'anticipe de nouveau ma question, parce que tu parles de la confiance que ça t'a apporté. Moi, je trouve que l'entrepreneuriat, être à son compte, c'est un outil hyper puissant de développement personnel, parce que je trouve qu'on apprend énormément de choses sur nous-mêmes, nos limites, dépasser nos limites, qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on veut pas, savoir se vendre, etc. Donc, et qu'est-ce que tu en penses, toi, sur ce côté entrepreneuriat en tant qu'outil de développement personnel? Qu'est-ce que tu as appris grâce à ça, genre de toi? Déjà, premièrement, à gérer une journée, en fait. Savoir soi-même quand est-ce qu'il faut se lever, quand est-ce que je calme mes rendez-vous, quand est-ce que je pense à moi aussi. Ça aussi, c'est important, en fait. C'est-à-dire qu'au début, on s'oublie, on veut faire un maximum pour l'entreprise et au bout d'un moment, on n'en peut plus, on est fatigué. Et là, on se dit, oui, c'est vrai, en fait, je me suis oubliée. Donc, savoir, en fait, gérer toute une journée, une semaine, en fait, allier les proches, le pro, le perso, tout ça mêlé, ça m'a beaucoup appris sur moi, sur mes,
priorité aussi. Par exemple, moi, j'ai vraiment besoin de voir mes proches, donc je me suis pris, par exemple, une journée dans la semaine où bah, c'est une journée pour mes proches, par exemple. Est-ce que tu te sens différente de celle que tu étais avant, justement, l'entrepreneuriat, mais tout niveau confondu, tu vois, genre, est-ce que c'est une autre Céline, du fait d'être passée par être à son compte, que la Céline d'avant? Ouais, bah alors moi, j'ai beaucoup de ce souci de sommeil de base et je vois vraiment la différence depuis que je suis à mon compte, c'est que bah, quand je me lève le matin, je me réveille pas fatiguée parce que j'ai trop hâte de faire cette journée, j'ai trop hâte de faire ce que j'ai envie parce que bah, tu fais ton entreprise parce que tu aimes ce que tu fais. Donc tu te lèves et tu sais ce que tu vas faire et déjà, je commence bien mieux ma journée qu'avant. Déjà ça, c'est un gros point qui change. Et ensuite, bah, tu peux quand même faire beaucoup plus, c'est-à-dire il n'y a pas d'horaire et il n'y a pas de jour où tu dois ou ne dois pas travailler. Donc par exemple, si tu as envie de faire un loisir le mardi et faire tes courses le mardi, bah, tu travailles dimanche, c'est pas grave. Et ça, cette flexibilité, vraiment, je ne pourrais jamais l'abandonner, ça. Mmh. Ouais, c'est un des points principaux en général de pourquoi l'entrepreneuriat, ben, la liberté. Mmh. Après, c'est hyper intéressant ce que tu dis vraiment sur le côté organisationnel. Est-ce que ça t'a pris du temps de te rendre compte, ce que tu disais au début, tu t'es dit oui, bon, bah voilà, on veut tout donner à l'entreprise, on y va à fond, on est tout feu, tout flamme, et finalement on se rend compte qu'on s'oublie. Est-ce que cette phase-là, elle a été longue pour toi, ou est-ce que tu t'es assez quand même vite rendu compte qu'il fallait que tu réorganises ton quotidien, ta semaine, etc., pour avoir un équilibre vie pro, vie perso? Ouais, je dirais que ça m'a quand même pris 9 mois, presque un an, même presque un an, à me dire vraiment oui, il faut que j'apprenne à me reposer, à faire des choses pour moi. Parce qu'au début, on a envie que ça marche, on a envie de gagner plein d'argent, on a envie que, bah, que ça s'arrête jamais, l'entrepreneuriat en tout cas. Donc ouais, j'ai pris pas mal de temps et bah, comme on parlera sûrement après, mais ta formation m'a beaucoup aidée. Après, c'est vrai que dans un sens, 9 mois, je trouve ça même assez court. Moi, je vois des personnes qui... Alors, c'est vrai que c'est plus dans le salariat qu'on peut avoir des burn-out parce que du coup, on s'oublie, on donne à l'entreprise. Mais je pense qu'il y a quand même beaucoup d'entrepreneurs aussi qui veulent à tout prix que leur entreprise fonctionne. Et on se dit, oui, ben, souvent, voilà, quand les entreprises, en 1 à 3 ans, elles peuvent voilà, péricliter et que c'est passé les 3 ans d'entreprise qu'on voit qu'une entreprise voilà, est viable. Et je pense qu'il y en a qui vraiment se donnent à fond pendant bien plus que quelques mois et que toi, t'es vite. Moi, je trouve que t'as quand même assez vite compris les limites que tu devais te fixer. Je pense qu'il y a des personnes qui justement, se rendent moins compte de ça. Et oui, justement, qu'est-ce qui t'a peut-être plus mis comme élément déclencheur de dire attention, il faut que je respecte mes limites, parce que c'est quand même une prise de conscience. Ben, c'était surtout la fatigue. Vraiment, je voyais que j'étais de moins en moins performante dans mes journées parce que j'étais vraiment trop fatiguée. J'arrivais de moins en moins à me lever, pas parce que j'avais pas envie de faire ma journée, mais vraiment parce que j'avais pas assez de sommeil. Sur ma vie de couple aussi, parce qu'on est tous les deux entrepreneurs et que tous les deux on se donnait à fond et qu'on travaille tous les deux de la maison, on a un bureau. Et à deux, je pense que c'est encore plus envahissant si on travaille tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tu peux pas décompresser parce que bah, sur ton mini temps libre que t'as le soir avant de dormir, bah, tu parles du boulot et au final tu décroches jamais. Et ouais, je pense que c'est vraiment la fatigue qui m'a fait me rendre compte des choses. Oui, c'est vrai qu'après, si tu es avec quelqu'un qui est salarié ou quelqu'un qui a déjà un équilibre, bah, ça peut t'inspirer de dire ah, tiens, regarde, lui, il se repose, est-ce que je ferais pas aussi? Ou qui te suggère, genre, mais regarde, repose-toi un petit peu. C'est vrai que si vous êtes à deux en mode ouais, on y va à fond, on y va à fond, bah, c'est hyper stimulant, mais d'un autre côté, voilà, faut être à deux à prendre conscience de l'équilibre à avoir, quoi. Ouais. Moi, j'avais une question aussi, c'est dans l'entrepreneuriat, on est un peu nous-mêmes le fer de lance de l'activité. Genre, il y a beaucoup de personal branding, encore plus dans ton cas. Donc, je trouve que justement, le côté entrepreneuriat en tant qu'outil de développement personnel, on le ressent encore plus parce qu'on est vraiment dans l'idée de faut s'améliorer soi. Si on veut que son entreprise grandisse, bah, il faut que nous, on grandisse.
Il faut qu'on comprenne nos faiblesses, nos parts cachées, etc. Et qu'on soit vraiment dans des idées d'axes d'amélioration de nous-mêmes, parce que c'est ça qui va faire que l'entreprise grandit. Donc on se vend nous avant même de vendre une offre. Donc qu'est-ce que t'en penses toi de cet aspect-là ? Je me dis déjà quand on vend un service, déjà c'est nous qu'on vend, donc on va faire la différence avec notre personnalité. Par exemple, si on prend un coach, y en a plein et c'est vraiment notre personnalité qui va nous faire nous démarquer. Et moi dans les réseaux sociaux, c'est encore plus important parce que c'est vraiment notre image qu'on montre tous les jours. Et si on montre quelqu'un, enfin une personnalité de nous fatiguée ou surchargée, surmenée, on va perdre de l'audience et inévitablement l'entreprise va perdre aussi du chiffre d'affaires. Donc ma santé mentale, entre guillemets, mon développement personnel dépend tout à fait, mon entreprise dépend tout à fait de ma santé mentale, de mon développement personnel et de ce que je renvoie sur les réseaux sociaux. Mais en plus, je trouve que vu que toi, les gens te suivent pour toi, donc même si tu peux être fatigué ou quelque chose, ils vont s'identifier aussi parce qu'ils disent ah, tiens, genre comme nous, il y a là des moments de mou aussi. Mais vu que toi, t'es vraiment entre guillemets ton produit, vu que t'évolues, je pense que du coup, t'as, ce que tu proposes est peut-être un peu plus différent, enfin, à évoluer entre ce que tu fais maintenant et ce que tu faisais. Et je pense dans 5 ans ou dans 10 ans, les choses évolueront encore, quoi. Donc, comment est-ce que tu penses que les gens en fait suivent cet aspect-là de s'identifier toujours à toi, de grandir, d'évoluer avec toi, et forcément en fait ton auto-entreprise ou ta société quand tu passes en société, évolue à travers toi, quoi. Sur les réseaux sociaux, les gens nous suivent pour ce qu'on fait. Si on change trop, les gens vont dire t'as trop changé, je me désabonne. Mais par contre, si on fait vraiment tout le temps la même chose, les gens vont dire je me désabonne, c'est tout le temps la même chose. Faut savoir un petit peu faire l'entre-deux, savoir se renouveler, mais tout en restant soi-même, en restant un peu sur la même ligne éditoriale, on va dire. Ça aussi, c'est assez compliqué. Et surtout que l'humain change, c'est-à-dire que il y a 3 ans, j'étais pas pareil du tout. Et je pense que ce qui peut faire que ça fonctionne, c'est surtout expliquer pourquoi on est comme ça maintenant, pourquoi on fait ça et plus ça maintenant, d'expliquer aux gens sur les réseaux les raisons pour lesquelles on a changé. Je pense que ça peut quand même plus aider à ce que les gens continuent à nous suivre. Donc communiquer quoi sur l'évolution, vraiment être en interaction en fait avec le public, quoi. Oui, c'est ça. Par exemple, tout bête, mais si je faisais du sport à fond tout le temps et que du jour au lendemain, je ne fais plus du tout de vidéo de sport, sans expliquer, les gens vont juste se désabonner en se disant c'est bizarre, c'est plus du tout pareil. Ouais, elle a arrêté de faire du sport. Voilà. Alors que si on explique, c'est une période un peu plus compliquée, donc je vais vous montrer comment je vais faire pour m'en sortir, peut-être que les gens vont avoir plus un intérêt à me voir me remettre au sport, par exemple. Et donc on a vu plutôt qu'un des aspects chouchou de l'entrepreneuriat pour toi, c'est la liberté. Oui. Qu'est-ce que t'aimes dans cette vie d'entrepreneuse ? Déjà, est-ce que t'es épanouie dedans ? Est-ce que tu es heureuse ? Et c'est quoi les aspects qui te plaisent le plus ? Oui, je suis vraiment heureuse et je pense que j'arriverai jamais à retourner en arrière, à être salariée totalement. C'est quelque chose que j'envisage plus du tout. Et c'est pour ça qu'aussi, quand on est entrepreneur, on essaye d'avoir plusieurs cordes à notre arc pour justement rebondir si une des activités ne fonctionne plus. Parce que moi, ce qui me plaît vraiment, c'est la liberté de pouvoir faire ce que j'aime, de faire mes activités quand est-ce que je le souhaite. Si le matin, je suis moins active, je sais que je vais faire mes papiers. L'après-midi, je vais faire mes rendez-vous, par exemple. On peut vraiment moduler notre emploi du temps par rapport à notre personnalité, ce qui n'est pas le cas dans le salariat où c'est par rapport aux besoins de l'entreprise et non à nos besoins à nous. Qu'est-ce que tu aimes moins, du coup, dans l'entrepreneuriat ? C'est ce que j'aime moins, c'est un petit peu le côté précaire dans le sens où si je veux acheter une maison, ça va être un peu plus compliqué parce que je n'ai pas un revenu régulier. Si j'ai envie de prendre 2 semaines de vacances, ça va aussi être compliqué parce que moi, par exemple, sur les réseaux sociaux, si tu communiques pas pendant 2 semaines, c'est bon, t'es plus personne, en fait. Ça, c'est ce que j'aime le moins parce que je peux pas me prendre des vraies vacances où je vais pouvoir couper et juste me reposer mentalement, quoi. Ça, c'est le bémol. Ou alors, si je tombe malade, il y a
il n'y a pas non plus une assurance maladie comme on a quand on est employé, quoi. Ouais, après, ça me fait penser à ce que je voulais te poser comme question avant, parce que du coup, tu l'abordais, tu fais d'avoir plusieurs cordes à ton arc. Donc, toi, une de tes solutions, genre pour pallier à ce côté que tu aimes moins, qui est un peu la précarité ou l'incertitude qu'on peut avoir dans l'entrepreneuriat, c'est avoir plusieurs cordes à ton arc. Est-ce que tu peux un peu développer ? Alors déjà, j'ai choisi de... tout d'abord, j'avais choisi d'enseigner juste parce que j'avais envie de changer un petit peu le mode d'enseignement d'aujourd'hui. Après Covid, les étudiants sont moins alertes, ont besoin de changer un peu les codes de l'enseignement. J'avais envie d'en faire partie. Et au final, je vois que ça m'apporte quand même une certaine stabilité. C'est-à-dire que je sais chaque mois combien j'ai au minimum si j'ai juste, par exemple, mon salaire des écoles. Et ensuite, j'ai des projets pour plus tard aussi, où je vais vraiment peut-être me professionnaliser dans la formation, justement, dans le marketing digital. C'est un sujet qui me passionne énormément. Et je vais me servir de cette passion pour faire peut-être une autre activité dans ce domaine-là. Ok. Est-ce que tu as une anecdote à nous raconter ? Ah oui, ça me fait penser que justement quand notre vie évolue, les gens regardent vraiment, quoi. C'est-à-dire que là maintenant, on a adopté un chien il y a pas longtemps, tout le monde sait qu'on a un chien, tout le monde sait comment il s'appelle, tout le monde veut le voir tout le temps. Et là dernièrement, j'avais un partenariat avec un jeu mobile qui, dans le brief, marquait explicitement qu'il fallait qu'on voit Tsuki qui joue avec moi au jeu mobile. C'est-à-dire que même les marques, elles sont aguerries sur notre vie et elles comprennent bien que notre ligne éditoriale, c'est notre marque de fabrique et elles intègrent ça à la stratégie de collaboration. Je trouve ça vraiment amusant. Ouais, c'est chou. Et à quoi est-ce que tu voudrais que ta vie professionnelle ressemble dans 5 ans, dans 10 ans ? Alors, j'aimerais bien, je pense que c'est objectif un peu de tout le monde, mais d'automatiser un petit peu, c'est-à-dire d'avoir de moins en moins de choses à gérer pour pouvoir peut-être un jour prendre des vacances, tu vois. Par exemple, quelqu'un qui me fait mes montages vidéo, qui m'écrit mes vidéos, ou si je fais des formations en ligne, quelqu'un qui gère ça. Un petit peu sous-traité et pour pouvoir être plus pour avoir plus de temps libre et dans 10 ans, vraiment avoir une vraie société où où j'embauche des personnes. Justement, par rapport à ma dernière expérience de travail, j'aimerais vraiment être une chef d'entreprise à l'image de ce que j'aurais aimé avoir comme patron, je pense. Ah, c'est bien ça. Donc, objectif, développer et déléguer. Oui, exactement. Top. Est-ce que tu as 3 conseils à donner aux entrepreneurs ? Ce que je dis tout le temps à mes élèves, en fait, c'est que quand on est auto ou entrepreneur tout court, il faut savoir se gérer. Je donne toujours l'exemple un peu du Covid, par exemple. Dans le Covid, il n'y avait plus d'horaire, il n'y avait plus personne qui nous disait quand est-ce qu'on devait se lever, qu'est-ce qu'on devait faire. Et donc, quand on est à notre compte, il faut savoir s'auto-gérer. Et c'est pour ça que le développement personnel, je pense que c'est indissociable de l'entrepreneuriat parce que, premier conseil, il faut savoir se gérer, se connaître pour pouvoir se gérer dans la journée. Deuxièmement, le conseil, c'est... ça rejoint un peu le premier, mais avoir confiance en soi dans le sens où comme le revenu n'est pas le même chaque mois, si on n'a pas confiance en nous, on va avoir vraiment trop peur du mois qui approche, du mois suivant, et ça va être trop anxiogène, en fait. Faut savoir ce qu'on veut pour faire son entreprise en amont. Et troisièmement, pas s'oublier. Mais en fait, tout ça, ça vient du développement perso, mais vraiment, c'est la troisième, c'est une des plus importantes aussi, c'est vraiment pas s'oublier parce que j'ai un mauvais souvenir de ma période de fatigue, ouais. Après, de toute façon, c'est l'humain qui sous-tend l'entreprise. Donc, si on ne prend pas soin de soi, en termes de repos, forcément, on ne va pas réussir à tenir sur la durée. La confiance en soi, c'est confiance en la vie, sur le fait que, OK, il y a un petit creux, mais j'ai confiance en mes compétences. Donc, je sais que par la suite, c'est peut-être juste une phase, peut-être la conjoncture actuelle. C'est pas forcément lié à moi s'il y a un petit mou dans le moment. Et le premier, c'était bien se connaître pour bien s'organiser.
ça c'est vrai que c'est hyper, hyper important quoi. Mm. Alors, merci pour ces trois conseils. Est-ce que tu as une actualité à nous partager? Est-ce que tu as quelque chose que tu veux dire pour clôturer cette interview? Ah ben oui, c'est qu'en 2023, la vidéo, ça va être vraiment le format le plus regardé. Ça va être... c'est de plus en plus en essor. Tous les réseaux sociaux les mettent en avant. Et du coup, bah, l'idée des podcasts, ce genre de choses, même l'audio, comme les podcasts, juste en audio, tout ça, ça fonctionne vraiment très bien. Et les entreprises, maintenant, vont plus avoir le choix que de communiquer et communiquer en vidéo. Et toi, du coup, tu vas... encore plus développer ce créneau-là. Donc. Oui, c'est ça. C'est pour ça que je vais m'y remettre à YouTube. C'est la nouvelle télé, en fait. Je connais aucun jeune qui a une télé chez soi. Ils sont que sur YouTube ou d'autres plateformes de streaming. Donc, c'est vraiment l'enjeu 2023 aussi pour les entreprises, du coup, de se digitaliser, quoi. On a hâte de te retrouver sur YouTube. Oui, si j'ai hâte. Merci à toi pour ces réponses à nos questions. Et n'hésitez pas à poser des questions que je transmettrai à Céline donc en commentaire du podcast ou de la vidéo. Et donc merci encore à toi pour ta participation. Merci de m'avoir reçue. Et je te souhaite une très belle journée. Merci.